président République là, Jovenel Moïse fait une visite à hier jeudi à Nansonap. Chef l'État annoncé à partir de jeudi à gagner l'autre chute à parler gouvernement à caractère conseil local entamé pour réfléchir sur une plus bonne gestion de ses salaires minimum. Secrétaire général adjoint opération maintien la paix Nations Unies Jean-Pierre Lacroix le budget du 15 mars là, admission li sous situation générale PIA et spécialement climat la paix. Pendant visite ça, mais c'est la croix chute à parler à président République là, Jovenel Moïse et puis divers autres acteurs dans la vie nationale là. Dirigeant compagnie téléphone NAT comme yon remet by l'État haïtien yon chèque 79,800,000 gouttes comme dividende pour exercice fiscal 2016-2017 là. Cérémonie ça a été occasion pour dirigeants compagnons de dresser bilan financier pendant des années ça. À l'étranger, vice-ministre affaires étrangères russe là, Sergei Yabkov, confirmé jeudi vendredi. Pays la Russie a préparé une réponse diplomatique face à de nouvelles sanctions des États-Unis contre 19 citoyens russes. Et puis dans la page du sport football, Cosmopolite FC, une leader championnat national première division, a recevoir samedi 17 mars dans le stade Silvio Cato, FICA Cap Haïtien, dans l'occasion 6e journée compétition. Ça. Et puis à l'étranger, leader champion, Juventus Real, Liverpool, Manchester City, Barcelone, Roma, Séville, Bayern Munich. C'est principal affiche quart de finale Ligue des Champions après tirage au sort qui fait matin. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal Mitan Journée sur Télévision Nationale d'Haïti. Pourquoi elle est là? C'est le moment pour accueillir collaborateur Noël Polidor pour conditions météorologiques journée. Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble. Jeudi à nous, vendredi 16 mars 2018, c'est déjà un week-end. Nous souhaitons avec chaque monde un bon week-end et j'en nous connais là. Prévision météorologique là, c'est toujours courtoisie UHM qui c'est Unité Hydrométéorologique Pays d'Haïti de concert avec OFNAC et puis Télévision Nationale d'Haïti. Temps très nuageux jeudi, on a regardé comment la situation est et qui ça qui causait tant nuageux ça. Nous gagnons front qui trouvait lui sous partie nord République Dominicaine et le fait que front ça allait traverser Haïti hier soir vers le nord, il quittait humidité sous pays là et c'est ça qui fait nous lever matin avec un temps et qui nuageux, et nuageux ça va persister au cours de journée en soirée pour qu'on ait quelques activités de la pluie. Et j'en ai eu là, département qui est concerné par la pluie, pour aujourd'hui, c'est toujours région nord avec le centre et l'Artibonite, et puis partie sud-ouest pays d'Haïti, ça veut dire Grand-Est et Sud, concerné par activité de la pluie pour aujourd'hui. En ce sens, nous avons des gens qui étaient dans la zone qui ont gagné la pluie hier soir, pour être vigilants. Si toutefois tu as gagné la pluie pour ne pas gagner inondation, mais vraiment c'est quelques averses isolées qui ont gagné sous côte région que nous sommes cité là. Pour capitale là, c'est un capital qui levait avec nuages aussi. La nuage pendant la journée, en soirée et même au cours de nuit là. Et nous prévoit quelques activités la pluie Jean-Noël sous 4 avec pictogramme. Nan. Gain la pluie qui possible sous capitale avec zone qui environnent yo mais c'est surtout la nord capitale pays d'Haïti et je dis on a une température qui a monté jusqu'à 33 degrés Celsius et puis va la descendre dans le temps c'est 19 degrés pour la mer c'est une mer qui agité sous toute côte nou yo région nord côte sud et golfe de la Gonave nous mandé capitaine yo quelques précautions mais capable naviguer parce que pas gagné trop souci, c'est un mer qui agit, peut agiter sous golfe de la Gonave et mais région sud avec côte nord, li agité mais c'est plus au large, ça veut dire près des côtes yo capable de naviguer correctement. Pour page astronomique là, soleil là a couché jeudi à 6h59 et la levée demain matin à 6h55. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité avec attention. N'a pas croisé lundi pour une autre page météorologique. Yon remercie à Wilner Polidor. Président République là, Jovenel Moïse, a fait une visite inspection jeudi 15 mars 2018 là dans la Société Nationale Parc Industriel Sonampi. Visite ça entré dans le cadre d'un projet agrandissement Parc Industriel Métropolitain. Non, nous invitons à suivre un reportage avec Sabine Jean-Étienne. Travail accompli au niveau du projet depuis qu'elle en assure la gestion quotidienne et d'exprimer les appuis concrets lui permettant de le mener à terme dans le meilleur des délais. L'état d'avancement des travaux, qui est passé de moins de 10% au moment de notre prise en charge à plus de 45% dans un délai de 2 mois environ, et si nous obtenons le plein support de tous les acteurs institutionnels impliqués, d'ici le mois de mai prochain, au moins un ou deux bâtiments seront opérationnels. Je ne sais pas si c'est plus gros qui est dans le pays parce que je ne sais pas si tout l'autre.
Mais ça me l'a dans là mesuré 13 000 mètres carrés, ça veut dire c'est un carotte plus 100 mètres carrés. Parce que nous avons un carotte, c'est 12 900 mètres carrés. C'est un carotte plus 100 mètres carrés et c'est ça, c'est un hectare plus 3 000 mètres carrés. Que nous campons là-dedans là, qui va le couvrir un seul coup pour nous créer un job dans le pays. Moi, je veux tout le monde qui a regardé, qui a attendu mieux. Pour comprendre que pas un pays sur la terre qui a parlé de développement là-dedans si pas une création d'emploi. Moi, je connais un pile haïtien parfois qui parlait de qualité d'emploi. Mais j'aime toujours dire par une génération spontanée, si nous avons besoin d'un pays meilleur dans 25 ans, il faut commencer à travailler aujourd'hui. Dans le côté de nous et dans le Sonapia, nous voulons parler du secteur textile là. Son passage obligé que le pays aujourd'hui. Avec le volume de jeunes que nous avons. Les gens qui ont des formations, nous connaissons ça, qui ne permettent pas que nous jouions des emplois qui allaient dans l'autre niveau. En attendant, les gens qui ont créé travail pour eux. C'est pour ça aujourd'hui, nous-mêmes, depuis là nous avons commencé, arrivé jusqu'à moi, mars 2018, là, nous campons derrière le secteur textile là pour nous profiter de loi Help Hope que les États-Unis ben nous, qui permettent que nous exporter aux États-Unis sans droit de douane. Ça veut dire, le ou entreprise venue dans le pays, elle décide pour créer 10 000 emplois, nous-mêmes, c'est tapis rouge pour nous, pour les poulies. Dossier salaire minimum non relancé jeudi 15 mars là après visite président de la République la Jovenel Moïse fait dans Sonapi. Chef l'État annoncé à partir de jeudi a gagné l'autre chita palé gouvernement à caractère concerné au pral entamé pour réfléchir sur une plus bonne gestion sous dossier salaire minimum non. Nous invitons à suivre yon bout dans déclaration. Ou même syndicat cap gardé m cap tande m là membre syndicat m'a dit nous que c'est ensemble pour nous collaborer. Ministre Affaires sociales là qui là, directeur général Sonapia, ministre commerce qui là, premier ministre, moi-même qui président, directeur Fatma, tout le monde ensemble, c'est pour nous arriver chita parler, pour nous toujours joindre un bon terrain d'entente pour permettre et ouvrir au content et syndicat jouer rôle et l'État haïtien protéger force travail ouvrir. Mais c'est pas dans rien. Nan goumen on a clôté. Nan vini pour craser, briser. Nan vini pour laguer factory chaque jour. Parce que ça paye à boucaclé. Image chaque semaine son grève à droite, son grève à gauche là. Haïti pas mérité ça encore. Côté nous rivé aujourd'hui, nous besoin on pays côté pour attitude moun k'ap travaille dans l'état. Attitude moun k'ap travaille dans secteur privé. Faut attitude yo changer. Le gros problème on met tête moi ensemble. Gon affaire qui toujours parler chaque année. Ça fait salaire minimum. On prend responsabilité comme président pour me parler de ça aujourd'hui. C'est pas salaire minimum qui pour venir faire toute factory dans pays écrasé. Non, c'est pour syndicat chita avec ministère affaires sociales qui gagne conseil supérieur salaire pour nous chita depuis dans mois mars là. Syndicat, conseil supérieur salaire, patron pour nous joindre une solution pour nous pas obliger à écraser briser. Parce que le nous n'en crasé brisé, il y a eu ça, instabilité. Et instabilité, ça le pote le pote misère. Si nous besoin d'un pays pour nous mettre sur route changement tout bon voyage, c'est la stabilité politique, c'est ça pour nous créer. Qui j'aime te dire dans la campagne, la stabilité politique est le premier des biens publics. L'autre information dans le journal là, dirigeant compagnie téléphone Natcom yo remet bay l'État haïtien un chèque 79 200 000 gouttes comme dividende pour exercice fiscal 2016-2017 là. Cérémonie ça a été occasion pour dirigeant compagnie ont dressé bilan financier pendant dernière année ça. Kwad Dyson, vice-président, félicité collaboration population avec l'État haïtien. Gouverneur Banque Centrale là, Jean-Badin Dubois, vantage Fonat comme fait pour porter service, technologie et puis aide dans affaires sociales dans le pays. Sous Bopal, Ronald Décembre, encourager population à faire compagnie dans les affaires payo, yon façon pour aider le porter plus dans les 7 l'État. Nous invitons à suivre. Chaque Haïtien a intérêt à s'approprier de cette société mixte pour qu'elle puisse rapporter des dividendes à l'État haïtien et contribuer
à l'augmentation des recettes fiscales. Aujourd'hui, la NATCOM veut aussi contribuer à doter le pays de cadres qualifiés. Ainsi, le conseil d'administration a soutenu fermement et obtenu de Viettel l'octroi de 30 bourses d'études pour des formations d'ingénieurs à des jeunes haïtiens qui auront la possibilité de se spécialiser dans les domaines du génie et de la technologie dans les universités vietnamiennes internationales. La formation de ces étudiants dans les universités vietnamiennes doit aussi favoriser l'intégration haïtienne sur le plan technique dans l'entreprise. C'est un effort louable, mais aussi c'est la preuve d'une grande transparence dans la gestion de l'entreprise. Vous savez que les coûts de production sont élevés dans le pays. Faire du business dans le pays nécessite une bonne gestion, une bonne appréhension des questions financières pour que l'on ait des résultats escomptés. Et c'est ce que vient de prouver la NATCOM aujourd'hui en dégageant cette dividende en faveur de l'État. Yon commission interministérielle qui gen la dan ministre intérieur collectivité territoriale la Max Rodolphe Saint-Albin, ministre justice et sécurité publique la Eddy Fortuné, ministre jeunesse sport et action civique la Régine Lamure et puis ministre haïtien qui vit à l'étranger Stéphanie Auguste rencontré les locales commune Ansapit jeudi 15 mars 2018 là. Dans cadre chita palesa, différentes autorités ont discuté sur ensemble mais l'état doit prendre pour encadrer ressortissants haïtiens qui ont quitté la République dominicaine à cause de persécution. Suivons bout dans déclaration. Nous là dans en délégation pour nous venir tendez comprendre ça qui a passé là dans chapitre. Évidemment, nous tant que tout le monde gouvernement tendez tout ça qui s'est passé. Je dis à gain deux approche. Premièrement, nous venons sur le plan humanitaire. Nous avons des frères, des sœurs, des haïtiens, haïtiennes qui sont en difficulté. Nous venons garder et comment au mieux nous sommes capables d'appuyer. C'est ça que nous venons garder là. Et c'est ça, ministre des Affaires sociales, ce dit là. C'est ça, ONM, engagement ça, l'administration Moïse Lafontaine, c'est engagement ça que nous venons prendre là aujourd'hui. Et d'autre part, et c'est là qui me dit qui est plus important, sur le plan diplomatique, côté ministre Affaires étrangères, là, ministre AIA, a travaillé avec autorité dominicaine pour le plus vite possible, pour la sérénité rétablie, pour que tous deux peuples apprennent à vivre en frères et sœurs, tant que Jean Sakonye. Sur le plan juridique, il y a des dispositions qui prennent tout et me garantit que droit haïtien que ou vivre en Haïti, que ou vivre en terre étrangère doit à respecter. Donc ces messages ça que nous avons gagné nan non chef gouvernement, nan non président république là, c'est mission ça que nous avons gagné pour nous devenir garder aujourd'hui nan en chapitre. Yon groupe député nan chambre basse là organisé yon réunion travail avec ministre santé publique et population Marie Gretawa Clément avec ministre travaux publics la Fritz Kayo et puis directeur général d'INEPA Guito Edouard sous la population à consommer. Ancien président commission santé Chambasla, député Sinal Bertrand, m'a dit autorité concernée d'INEPA avec ministère santé publique pour chercher cause contamination de la population à consommer. Un extrait dans micro 5 Kwapaki avec Maurice Wilbridge. Nous avons questionné trois ministres plus DG d'INEPA sous déclaration et Dominguez Brito, qui est ministre de l'Environnement de la République Dominicaine, qui a dit que 95% de la population a boire de la latrine. Ça fait 5 mois de cela, nous avons invité d'INEPA à la santé publique, nous avons questionné. Sans ne pas connaître si le ministre de l'Environnement a fait une déclaration pareille au niveau mondial. Pour yote testé de l'eau, eh bien, je vous dis, nous t'attendons de l'eau pour nous joindre, est-ce que c'est vrai, l'eau moun yo a boire, c'est de l'eau latrine, ou bien est-ce que c'est pas vrai? Jusqu'à présent, yon pas gagné des informations, n'a pas yon 2-3 mois encore, pour yon testé de l'eau, et puis pour yon venir éclaircir devant la population, est-ce que c'est de l'eau latrine, n'a boire dans la zone métropolitaine, ou pas?
Et mais c'était questionnement ça où nous t'es venu. Nous tout annoncé ministre santé, nous pas le questionner sur diphtérie, ti moun kap mouri. Nous pas le questionner sur question déchets solides, n'a parlé de dîner pas de TPTC. Nous pas le questionner tout sur et ti moun kap mouri, est-ce que nous pas faire vis-à-vis avec Gavi et est-ce que nous pas faire vis-à-vis avec OPS OMS UNICEF pour nous garder, est-ce qu'il n'y a pas de vaccin pour empêcher Timounio de mourir? Parce que pentavalent, normal, nous connaissons l'important, mais Timounio n'a pas de mourir dans la diphtérie sans pas de deuxième dose qui allait directement dans la diphtérie. Ministre de la Santé publique et population, Marie-Greta Clément, expliqué qu'il y a des démarches, plusieurs institutions qui travaillent dans la question assainissement pour le faire pour qu'on ait si vraiment 80% de la population haïtienne à consommer de l'eau contaminée. Le ministre de la Santé publique l'a dit plus loin, il n'y a pas qu'à joindre un cas qui t'a montré qu'il y a de l'eau population à consommer qui est contaminée. Nous invitons à suivre un extrait. Il y a un problème de l'eau, effectivement, surtout en milieu rural. En plus, le monde n'a pas accès à de l'eau potable. Il y a un problème de l'eau, effectivement. Même pas dit que 95% de l'eau dans le monde qui consomme de l'eau, c'est de l'eau souillée que vous consommez. Sinon, nous connaissons que de l'eau bonne qualité a un pile impact sur la santé. Et il y a un impact que vous avez, ce sont les diarrhées aqueuses, par exemple. Et nous connaissons qu'en Haïti, chiffre ben nous que diarrhée, c'est la sixième cause de morbidité. Donc, ça veut dire que c'est pas totalement vrai que 95% de monde consomme de l'eau dans le puits. De l'eau qui souillée. Sinon, nous avons plus de cas de diarrhée. Tout le monde a des diarrhée. Donc, mais de toute façon, nous avons pour nous travailler sur l'accès de l'eau, sur la qualité de l'eau. Donc, c'est ensemble. Jean nous étant de quelques députés de deal. C'est ensemble nous avons fait. Ce n'est pas un seul secteur capable de travailler sur l'eau, mais tout secteur a pour nous travailler ensemble sur l'eau. L'autre nouvelle, le secrétaire général syndicat maternité Isaïe Gentilla, Jean Edgar, m'a dit autorité l'État yo prend responsabilité yo sur ensemble problème l'hôpital la fait face dans dernier jour sa yo. Secrétaire qui t'a parlé dans cadre conférence pour la presse jeudi 15 mars 2018 là, fait qu'on est l'hôpital là pas qu'à fonctionner bien à cause problème insécurité. Yo extrait dans micro Colo Elisère. Syndicat maternité Isaïe Gentilla et a présenté je dis à pour nous annoncer à la population et à l'État et quelques dérives qui a passé dans la maternité depuis bien quelques jours qui rendent que le personnel de l'hôpital a vivre dans le stress, dans la sous-tension, dans la pérèse et qui sacrifie toute vive tension ça, pérèse ça. Donc, il y a des individus qui et laisser influencer par des bras politiques et bien qui a fait des pressions dans la maternité a, et qui fait que yo arrivé et même frappé physiquement et des employés dans la maternité a tant que le président syndicat qui yo te frappé lui physiquement et même Jean-Paul directeur l'hôpital là qui était lui-même te vite machine crasé et parce que individus ça estimé que yo même yo ces jeunes yo besoin manger pour manger yo besoin travail toute bête jeune modé et ben yo même yo choisi pour yo capable et tirer des ressources des revenus dans l'hôpital là. Commission permanente agriculture et sécurité alimentaire chambre députée a organisé une rencontre travail avec ministre agriculture ressources naturelles et développement rural la Carmel André Bélia sous plusieurs problèmes secteur agricole la rencontré tant coup problème sécheresse semences de l'eau qui manquait pour les plantations d'irio akrat cap détruit plantation paysan yo président commission agriculture et sécurité alimentaire député Samuel d'Haïti mandé ministre là pour résoudre divers problèmes secteur agricole là fait face et puis renforcer secteur ça nous invitons suivre en bout dans déclaration nous t'a parlé des problèmes que nous déjà en conférence de presse sur lui problème sécheresse qui t'a ravagé la vallée de l'Artibonite, problème rongeur qui t'a fini avec toute plantation paysanne dans le pays, hein? Problème d'introduction de semences sans autorisation du ministère, problème de la campagne d'hiver, problème et
planification de la campagne de printemps et de même aussi problème de fertilisant, ça nous est les regrets. C'est pour ça, ensemble de points ça que nous arrivons à soulever. Et là-dedans, inquiétude que nous avons par rapport à l'intervention ministre là, nous espérons que, eh bien, dans le jour qui vient, il y a une solution qui va le porter. Nous concluons, le ministre a conclu que, eh bien, il y a un appui et prise en considération qui va le faire au niveau de la vallée de l'Artibonite pour planteurs qui perdent du jardin. Yo. Et il dit que la mission, qui a en tête le directeur général du ministère, il va l'accompagner avec le directeur général de l'ODVA pour qu'ils fassent une visite, pour qu'ils fassent une évaluation, pour qu'ils comment qu'ils soient capables de porter appui à tout planteur qui perdit du riz dans la vallée de l'Artibonite. Ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, la Carmel André Béliard, promet des mesures qui pourraient prendre pour renforcer le secteur agriculture. Yon l'autre bord, ministre agriculture a fait connaître une diligence qui pral fait pour accompagner paysans yo si tout dans moment sécheresse là et puis permettre yo bénéficier engrais ak semences. N'invite au suivre yon bout nan déclaration. Discussion ta assez productive. Nous conscients de en série et de remarques que commission fait. Nous répondons à toutes les questions. Gen question nous accepter gens que yo poser problème yo gen ça tout nous dit gen ti exagération dans appréciation des résultats et nous faire comprendre que ministère pas jamais absent il est toujours présent même surtout au niveau de la vallée de l'Artibonite. Donc gen un problème assez important qui te posé encore c'est la gestion de l'eau parce que nous connaît gestion fleuve Artibonite là il partagé entre deux entités vraiment concernées. C'est l'ODVA qui représente le ministère de l'Agriculture, particulièrement pour l'encadrement, pour la régulation, la distribution de l'eau au niveau des parcelles des exploitants. Et nous avons EDH en amont qui a besoin de l'eau pour l'électricité. Donc c'est toujours en bataille entre production agricole et électricité. Donc nous expliquer. Et tout problème ça vient tomber dans le cadre d'une saison qui est assez délicate. C'est la saison sèche qui gagne dans la vallée. Hein. Et que ODVA lui-même a confronté des problèmes de stockage d'eau au niveau du lac là. Donc on est ODVA sédimenté et lac Péligla sédimenté en pile, qui vient faire que M. Opa gagne assez de l'eau pour faire fonctionner. Tu es obligé Kimbil. Donc, nous avons fait des promesses. Pour une promesse que nous faisons et que nous demandons collaboration commission, hein, c'est que nous ne pouvons pas attendre l'autre invitation encore. Le problème, c'est aussi tellement délicat et urgent. Nous demandons accompagnement commission. Hein. Donc, c'est ça qui fait que dès après rencontre ça, nous avons d'autres rencontres particulières que nous pouvons faire avec les différents membres de la commission pour accompagnez-nous dans le suivi de toute résolution que nous souhaitons là, tant que régulation fait de loi. Pour l'autre essentiel qui est touché là, c'est le problème des engrais. Nous faisons sortir avec une nouvelle stratégie ouais, pour que bénéficiaires et exploitants soient capables de gagner accès beaucoup plus facile et à l'engrais subventionné. Nous pourrons le partager avec la commission tout pour faire des remarques. De même que nous demandons appui dans l'autre campagne qui parle vidéo, particulièrement campagne printemps, pour aider nous, surtout dans un budget, pour que nous capables de joindre des ressources disponibles qu'il faut pour faire face à cette campagne. C'est sur information ça, après on pose dans le journal là, pas déplacé, on tourne dans un petit moment. Dans le dossier sport football, Cosmopolite FC, c'est une leader championnat national première division. Après ses voix, samedi 17 mars, là, dans le stade Silvio Cator, Fika Cap-Haïtien, dans l'occasion 6e journée compétition. Ça. Et puis à l'étranger, Ligue des Champions, Juventus Real, Liverpool, Manchester City, Barcelone, Roma, Séville, Bayern Munich, ses principales affiches quart de finale Ligue des Champions, après tirage au soir qui fait matin. On suit. 6e journée championnat national football première division hein, pour le dérouler week-end ça demain samedi à dans la coupe Port-au-Prince puis précisément stade Silvio Cator Cosmopolite Sportif Club qui fait monter dans première division et qui est en tête classement avec 10 points après recevoir Fika qui s'est perdu devant RC dans 5e journée à dans les Oga au résultat la Cali devant RC Sud-Est qui pas porté très bien début compétition hein.
L'autre équipe cité Anna Carona, Cavalli, a pris déplacement dans la cité Faustin-Souloukla pour les jouer contre Petit Gouave Football Club. Dans la ville au Cap, ASC, qui se remporté des Bicapois et qui fait toute fanatique liée au content, a pris dans le parc Saint-Victor, Baltimore de Saint-Marc. Un match qui promet en pile selon plusieurs observateurs qui ont suivi le championnat national. L'autre match qui a doué attirer en pile fanatique, c'est Racing Club Haïtien Real Hope Academy, dimanche dans le stade Civocator. Mais calendrier au complet. Samedi 17 mars, Racing Gonaïf Don Bosco, Cosmopolite Fika. Dimanche 18 mars, Valencia Léogan AS Sud-Est, ASC Baltimore, Racing Club Haïtien Real Hope Academy, Petit Gouave Football Club Cavalli Léogan, AKE AS Mbale, Tempête Wanamet Football Club. Avant 6e journée, classement présenté comme ça. Cosmopolite 1er 10 points différence 4, Baltimore 2e 10 points différence 2, ASC 3e 10 points différence 0, Mbale 4e 8 points différence 4, ASC 5e 8 points différence 1, Valencia 6e 8 points différence 1. À l'étranger, tirage au sort quart de finale Ligue Champion UEFA déroulé journée vendredi à Nyon, il était réalisé par ancien international ukrainien Andriy Shevchenko qui est actuellement sélectionneur football pays-li. Si quelques équipes tant que FC Barcelone avec Bayern Munich joignent un bon tirage, Real Madrid avec Manchester City joignent plus gros mosoyo. Mais résultat tirage au sort quart de finale 63e édition Ligue Champion. FC Séville Bayern Munich, Juventus Turin Real Madrid, Liverpool Manchester City, Football Club Barcelone AS Roma. Et pour calendrier officiel là, mardi 3 avril à 2h45, FC Séville Bayern Munich, Juventus Turin Real Madrid, match retour mercredi 11 avril. Mercredi 4 avril 2h45, Liverpool Manchester City, FC Barcelone AS Roma, match retour mardi 10 avril. Tirage au sort quart de finale Ligue Europa a été réalisé tout dans la même occasion, hein? Mais différents affiches, RB Leipzig Olympique Marseille, Arsenal CSKA à Moscou, Atlético Madrid Sporting Portugal, Lazio Rome Red Bull Salzbourg. Match aller jeudi 5 avril, match retour jeudi 12 avril. Président République la Jovenel Moïse fait une visite à Yenjoudia dans son appui. Chef l'État annoncé à partir de Yenjoudia, il y a l'autre chute à parler gouvernement à caractère conseil local entamé pour réfléchir sur une plus bonne gestion de ce salaire minimum. Secrétaire général adjoint opération maintien la paix Nations Unies Jean-Pierre Lacroix, le budget du 15 mars là, admission lit sous situation générale PIA et spécialement climat la paix. Pendant visite ça, M. Lacroix chute à parler à président République là, Jovenel Moïse et puis divers autres acteurs dans la vie nationale là. Dirigeant compagnie téléphone NAD comme yon remet by l'État haïtien yon chèque 79 800 000 gouttes comme dividende pour exercice fiscal 2016-2017 là. Cérémonie ça a été occasion pour dirigeant compagnie de dresser bilan financier pendant des années ça. À l'étranger, vice-ministre affaires étrangères russe, Sergei Yabkov, confirmé jeudi vendredi. Pays la Russie a préparé une réponse diplomatique face à nouvelles sanctions des États-Unis contre 19 citoyens russes. Et puis, dans la page du sport football, Cosmopolite FC, une leader championnat national première division, a recevoir samedi 17 mars dans le stade Silvio Caton, FICA, Cap Haïtien, dans l'occasion, 6e journée compétition. Ça. Et puis à l'étranger, leader champion, Juventus Real, Liverpool, Manchester City, Barcelone, Roma, Séville, Bayern, Munich. C'est principal affiche quart de finale Ligue des Champions après tirage au sort qui fait matin. Et bien voilà, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour jeudi. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à être branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Rendez-vous à la salle des nouvelles là, c'est à 7h pour Téléjournal là. Bon week-end tout le monde.